kole kama kolo zela papa tele matena kita nini subu ah. Oui, honorable. Bonjour, Dada. Bonjour, honorable. Vous bloquez, ah ouais. Vous bloquez, Bino. Hey, vous ne savez pas accéder. Oui. Comment ça? Ah, maman. Babi, conseil d'État. Conseil d'État. Je vais exécuter une décision là-bas. Et Babi, pourquoi t'as été donc? Mais moi, j'ai appris ça, c'est ce que je viens vérifier ici. Vous t'avez appris ça? Mais je suis d'ailleurs. En... Ah bon? Bonjour, honorable. Ça va? Ça va. Ah bon? Ah, tu sais que moi je suis d'ailleurs, regarde. Tu vois ce que je fais? Oui. Je suis d'ailleurs en l'air, ils vont faire une prendre des trucs. Mais oui. Ah, donc vous êtes. Donc je suis devant le palais du peuple. Hein, de l'autre côté. C'est qui est vrai, je suis venue faire le constat. Donc les députés sont bloqués, comme vous pouvez l'imaginer, regardez. Ils ne peuvent pas avancer pour accéder. Et donc ils sont bloqués. Donc, il n'y a pas d'accès. Pas d'entrée. Oui, allô? C'est un enfant. Donc, les députés sont là. Oui. Donc, ils ne pourront pas accéder. Pas d'accès au palais du peuple. Enfin, il y a des gens dans le coup. On voit les pieds dans le coup. Il y a des gens. Donc voilà. Donc voilà. Les députés sont bloqués. Pas d'accès au palais du peuple. Je comprends pas. Honorable Bertin. Ben... Ça veut dire que vous pouvez même pas avancer quoi. Ouais, pas d'accès. Pas d'accès. Oui, il y a un groupe dans l'enceinte. Pardon? Il n'y a pas d'accès dans l'enceinte. Plutôt de retour comme ça. Vous empêche d'accéder. Il y a déjà d'autres personnes dans la salle. Il y a des collègues dans la salle. Ouais, 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 certainement, oui, il y a ceux qui sont arrivés avant. Alors ils vont voter, c'est tout, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est la question de forme, papa. Est-ce que vraiment... Mais je te dis que c'est ton événement de la qui est à la on vote à 60 personnes, la loi pour la prolongation... Ça passe, non? Ça passe. Mais pourquoi ici, ça ne peut pas comme c'est le vote d'une personne. Maman Lucie. Ça va. Ça va bien, je suis en train de faire quand même 2-3 images. Je suis en train de faire quand même 2-3 images ici. Tandis que vous êtes bloqué ici, ah oui, vous ne pouvez pas accéder. Donc la police vous demande de vous arrêter. Et vous ne pouvez pas non plus avancer. Là-bas, c'est Lambert Mindé dans le véhicule que vous voyez là. Le ministre, le PCA récemment nommé, Lambert Mindé, honorable Lucie. Et les députés sont là, bloqués. Il n'y a pas d'accès. Pas d'accès. Donc voilà. Et les députés sont là debout. Les députés sont là. Mais il ne faut pas aussi aller tout ça. Même au jour, je trouve que quand même, tu peux aller discuter. Mais on va voir. On voit quand même notre bonne manière, bonne façon, bonne volonté de venir travailler quand même. C'est toujours plus difficile. C'est le vibre. De toutes les façons, ce n'est pas nous qui allons défendre. Bengi, bengi, ba bengi. Le conseil de sécurité, banani, banani, banani. Pour nous dire ce qui se passe. Non, c'est-à-dire le problème, c'est que ceux qui sont au pays, tout ce qui est là, on va dire, pourquoi on attend un dingue?
Tu vois, tu as fait mes tours, mais tu n'as pas gagné. Bloqué donc les députés sont bloqués là, pas d'accès au palais du peuple, ils sont là, pas d'accès. Les véhicules ne passent pas. Ah, bonjour mon major. Bonjour. Oui. Je suis au travail. Oui, merci. Donc, nous sommes au palais du peuple, comme vous pouvez le constater. C'est aujourd'hui que le bureau avait appelé les députés pour élire le candidat premier vice-président. Alors, le matin, là, les députés qui viennent pour accéder au palais du peuple, impossible. Et voilà. Donc, moi, je vais essayer de faire un peu de cascader pour voir si je peux accéder au palais du peuple. Mais là, ils sont. Je d'ailleurs, non, parce que là, ils sont en train de parler entre Bango. Je ne peux pas. Moi, j'essaye d'avancer si je peux accéder à pied. Même nous, on passe pas. On est en train de passer, maman. Non, le problème, c'est que de passer. Non, vous pouvez passer. Arrivez jusque là. Moi, je passe. Ouais, moi, je passe. Même à pied. Je passe. Même à pied, je passe. Oui, mais. Même à pied, je passe. Maman Sylvie, tu vas bien? Oh, moi aussi je parle là-bas. Oui, j'entre avec toi. Attends, je fais la dernière photo. Je vais essayer de faire la dernière photo. Parce que là, ils sont bloqués, bloqués. Alors, comprenez que je suis en direct et je suis vraiment pas en mesure de faire une bonne vidéo. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment pas en mesure de faire une bonne vidéo. Il faut filmer là. Et quel est l'homme, hein? Je suis en live là. Tu es en live? Oui, oui. Ah, d'accord, je savais pas. Ah, d'accord. Ouais. C'est un peu ça. On essaye de contourner le palais du peuple. Comprenez que là, avec les policiers, il faut faire attention. Je n'ai pas heurté la sensibilité des gens ici. Au cas où Babengalangai. Je vais essayer. Donc palais du peuple, pas d'accès. Aucun député n'a accès. À moins que Baoba qui très tôt matin m'a dit. Ouais. Tu es toujours en live? Oui. Je coupe pas. Non, parce que vous savez ce qui se passe, non? À l'Assemblée nationale. Et ça, Songita. Et ça, Moussa. Donc, pas d'accès.
Il y avait même des bouchons. J'ai pas voulu venir en véhicule, sinon on a gagné un mais là. J'ai pris une moto de chez moi pour arriver ici. Mais le vrai travail d'ailleurs c'est l'Ibanda. Non mais dans pareilles circonstances. Le vrai travail d'un journaliste se fait dehors. Tu ne le fais pas à l'extérieur. C'est d'ailleurs ça l'info. Ah malheureusement. Tivi, on fera comment? Tu continues? Mais on fera comment? Bonjour. Non, mon atelier lumière est diminué en yonso. Ça va? C'est que je t'ai vu. Honorable, bonjour. Ça va? Vous allez bien? Tout de suite, hein? Bien, je peux avoir une interview? Oui. Honorable Eliezer. Eliezer, Tabou. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, on est parce qu'on ne savait pas qu'il pouvait y avoir un incident. Mais moi, avant tout, j'ai dit que nous tenons une crise institutionnelle. Parce que là, il y a une décision de du Conseil d'État et que notre bureau nous a invités pour élire le remplaçant de Jamal Kabouna. Parce que le Conseil d'État a estimé que, comme les dossiers pendant à la Cour constitutionnelle, il fallait ce soir l'élection du remplaçant de Jamal Kabouna. Ce que notre bureau n'a pas accepté. On a estimé que le Conseil d'État n'était pas compétent en la matière. Et du coup, quand nous sommes arrivés, on nous parle des instructions qui auraient été données par la hiérarchie, c'est pas laquelle, nous interdisant d'accéder. Parce qu'à part les élections, il y a quand même les travaux en commission qui se font au Palais du Peuple. On ne pouvait pas quand même nous empêcher d'accéder à notre bureau. Mais ça veut dire que
tout est dit, crise institutionnelle. Vous le pensez vraiment? Attention, il y a une promesse que Jamal Tabound avait faite. Il avait dit qu'au cas où on me faisait partir de ce poste-là, vous devez le savoir que ça sera la fin de la coalition. Est-ce que nous tendons vers là? Est-ce que ce sont les questions que nous nous posons? Est-ce que la coalition égale les hommes? Est-ce que ce sont nommément Jean-Marc Kabound, nommément Mabunda, nommément? Est-ce que la coalition est une question d'hommes, des particularités ou c'est un ensemble? Oui, il faut comprendre que la coalition est constituée des individus et non d'une personne morale, telle que les gens peuvent croire. Il a fallu qu'il y ait contact entre l'individu Kabila et l'individu Félix pour qu'il y ait coalition. Alors, on ne doit pas exclure les individus dans la coalition. Mais ce qui est là est que nous devons privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'en créant la crise institutionnelle, on peut en arriver jusqu'à la dissolution, qui sera perdant. De cette crise-là, a besoin de ce que nous constatons aujourd'hui, les guéguerres. Le peuple n'en a pas besoin. Il attend mieux que ça. Merci. Merci. Et porte Kangam. Très bien. Ok. Bon. Ah ouais. Nous avons un nouveau bozo salade. A quoi nous musique? Non. Larsen. Achat du moto. Madame Bonne. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est quand même. Non, mais ce n'est pas bon parce que le pays ne doit pas s'arrêter à cause des individus. Là, ça ne va pas. Parce que ce que nous devons comprendre, est-ce qu'on a besoin de brutalité pour paralyser le pays? On n'en a pas besoin. Mais j'avais prévenu l'Assemblée nationale. Et je leur ai dit, je sais que Kabound n'est pas aimé par la majorité des députés, de par sa façon d'être, de par sa façon de se comporter. Mais il fallait le faire partir proprement. J'ai dit ça parce que le document qui a fait partir Kabound, il y a d'abord 3 signatures qui sont contestées. Il y a celui qui a mené Jean-Jacques en justice. Il y a les 2 qui ont écrit au bureau, nous avons des lettres, qui sont à Lubumbashi, qui n'ont jamais signé la pétition. Là, c'est déjà un problème. Quand nous partons sur base d'infos, là, la démarche est entachée. On pouvait refaire les choses proprement et faire partir Kabound. Il n'y a pas de problème. Et aussi le droit de la défense. Il fallait que Kabound s'exprime. Il fallait surseoir la séance de ce jour-là en attendant qu'on libère Jean-Jacques Mahon, qui devrait donner la quintessence de sa démarche. Mais ça n'a pas été. Bon. J'estime que la responsabilité est partagée. La responsabilité partagée parce que ça c'est du côté de notre bureau, du côté de Jean-Marc. Jean-Marc, celui qu'on place au bureau ne doit pas être comme un agent de renseignement du chef de l'État. C'est pas ça. On a zalito, il a zalito sur le chef de l'État. Non. Chercher à protéger le chef de l'État ou à préserver les intérêts du chef de l'État au sein de l'hémicycle. Pour ça, il faut avoir une base arrière. J'ai changé avec Kabound plusieurs fois. J'ai dit, papa, est-ce que tu peux me dire que tu as 100 députés que tu peux convoquer comme ça en cas d'enjeu qui peuvent intervenir? Il n'y en a pas. Pour preuve, Kabound, s'il est tombé, c'est à peine 36 membres qui ont signé. Si les 36 ne s'ajoutaient pas, Kabound ne partirait pas. Tout ça, c'est un problème. On n'a pas besoin des agents de renseignement là au bureau. On a besoin de personnes capables de fédérer les forces au profit du chef de l'État pour défendre enfin qu'il lui réussisse son mandat. Le temps est en train de passer. Il nous reste combien d'années? Il nous reste combien d'années là? Et qu'est-ce que nous avons déjà réalisé? On va de conflit en conflit, de problème en problème, et il y a les gens qui n'aiment même pas écouter les conseils. Et nous, ça nous fait mal parce que nous nous sommes battus en prenant tous les risques possibles dans ces pays. Au moins, nous avons des gens qui ont tel que les policiers qui ont été gaz et tata COVID. Ils ont été en train. On n'a pas pris ces risques là pour que tout ça, là, ce qu'on a critiqué hier, là, ça ne va pas. Allez. Oh, comment vas-tu, Olongo? Donc, pas d'accès.
Bonjour. C'est un mec. Bonjour. Vous saluez, moi je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Moi je vous salue. Mais je vous filme pas. Ah non, 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 je suis là-bas. Mais non, ton père, vous avez sauté. Ah, bah, honorable, pardon. Voilà, le député Eliezer Tambo qui s'en va. Ah, c'est que Bissot peut oublier, il y en a Bissot le loup. Si on a même. Donc c'est fermé. Tu vas où? Bon, je rentre à la maison. Je suis terminé pour mon compte, une page Facebook. Et j'ai aussi une chaîne YouTube que je me dédie. Et tu n'as rien fait? Bon, j'ai déjà pris quelques interviews avec Yézer Tamba et puis un député qu'on a bousculé de l'UFCC. Donc c'est fermé. Olong, attends-moi, on va seulement partir, hein, ensemble. Donc voilà, palais du peuple, pas d'accès. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'accès. Bon, allez, je coupe un peu, à plus tard, à tout à l'heure. Il n'y a aucun accès, pas d'accès, surtout pas pour les députés. Bonjour Yaya. Bonjour. Oh bonjour Deko. Boni. Boni Bino. Ça va tout doucement. Tu voulais me parler? Oui. L'instruction c'est quoi finalement? L'instruction c'est pas d'entrée, pas d'entrée, sortie. Tu peux sortir mais tu n'y entres. Pourquoi? Pas. Parce que l'Assemblée nationale veut organiser l'élection du premier vice-président alors que le Conseil d'État leur a demandé à la Chambre de sursoir l'élection du deuxième vice-président au motif que la lettre introduite par Kaboun le recours. Quand il a saisi, on lui a donné raison finalement dans la procédure, en fait l'irrégularité dans la procédure. C'est comme ça que le conseil a demandé de sursoir. Or, le bureau a dit que le conseil n'avait pas qualité, compétence pour décider de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, étant donné que c'est une institution politique et qu'aujourd'hui, coûte que coûte, le calendrier devait être mis en application. Dès Tolamouki Natango, nous, on se préparait pour venir assister à l'élection du deuxième vice-président. On arrive là, pas d'accès. Du premier vice-président, pardon. Et on arrive, voilà ce qu'on trouve. Pas d'accès. La hiérarchie. Mais toi, tu vas demander à un policier qui t'a dit.
C'est quelle hiérarchie? Je ne sais pas. C'est un problème. Policier, policier, pas PC, ordre, pas hiérarchie. C'est à toi de savoir. C'est à toi. C'est à toi maintenant de poser la question. C'est quelle hiérarchie? Débutez-moi ça, mon ami. Bon, il y a qui tongo. Moi je viens de la salle. Baza à peu près 20 personnes. Ils peuvent pas siéger. Soumé à Rachel. Soumé à Rachel. Soumé à Rachel. Soumé à côté, on va même à Rachel. Soumé à respect alors. Moi ils ont déjà quitté. Parce que quand vous nous décidez que nous il faut qu'on va s'en sortir. C'est une passation. Ça c'est pas normal. Parce que t'as procédé à Kaboul. Vous partez? Non, Kaboul a raison. Kaboul a raison. Si vous avez ma guérison, un objectif à terre. Non, les apps, c'est une coalition, les apps semblables. C'est pour ça. Les apps semblables, lorsque nous avons des visions différentes, on ne peut pas marcher ensemble. Oui, oui. Oui, oui. Problème, ils ont. Essaye de faire un peu de bimara. Babo Bima, objectif finalement, c'est de pas voter. Babo Bima, c'est faux Bima. Babo Bima, c'est un débat. Parce que même habitude, même l'obi n'a plus tout. On a des choses à supprimer, donc vous avez bien des airs. Oh non, tout le monde n'est pas spectacle. Viens aller au bureau, vous savez, c'est au plénière. Vote. Il y a des gens qui nous disent que nous sommes là. 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 Mais comment ma casse est outil d'ensemble à fond? Viens ce que tu as dit. Dans le lobby, il y a un problème à objectif. Objectif est Zanini, Kabound, nous gêne, il doit partir. Quel que soit le prix, quels que soient les moyens. Oui, ça va être un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Nous on constate, c'est aux politiciens de nous dire, et c'est la population, la grande population, de comprendre ce qui se passe. Maintenant là? Oui, moi je vais le faire avec lui au niveau des stations là. Ils sont là-bas? Oui. Il y a des députés là-bas. Des députés de MNC, IMC. On était là même plus de 6 députés. Ils sont partis? Oui. Non, j'ai pas ça, c'est ça. Moi je suis en fait. Moi je dis, t'as des droits, moi tu vas s'éloigner. Le professeur pour expliquer les populations et les droits, c'est pas un peu. C'est ça aussi le problème. Quand on vit voilà, j'ai vu un député là. Bien sûr, vous êtes plus dans les députés, on a aucune la police. Bonjour. Comment comme ça, intervient. Ça va et toi? Bonjour. Bon, je suis député. Je suis député.
Bazawana, c'est tout bazar, c'est tout très insolent. Et toujours ébaté. Alors dit que la ligne de Tokota, parce que décision en Audi, pas à Conseil d'État. Je dis que le Conseil d'État a vu mon corps administratif. Il a le pouvoir de faire des députés, il y a à terre et à dire d'avoir policier. Donc, ça, le vivable, la dictature, n'a pas parole. Mais c'est quoi toujours. Et tu vas jouer sous soutenir les bazars. Donc, nous là pour constitutionnel. Toujours c'est là-bas, mais encore plus de députés va côté la carrière. Il y a moins tous allés, toujours c'est là. Et tu es bien que d'ici là, on va avoir un policier, va déguerpir pour mission de côté parce que c'est tout ça les matins. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une crise institutionnelle? L'où le début d'une crise institutionnelle? Madame qui a raison, c'est vraiment une crise institutionnelle. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a un job description. Donc, les attributions du Conseil d'État sont connues de tous. Ils ont un avis administratif, mais ce n'est pas pour empêcher les députés. C'est ça la réalité. Donc c'est vraiment une crise institutionnelle et vous aurez d'autres situations qui seront plus graves qu'on va vivre ici dans ce pays. Vous pouvez me dire votre nom? Ça va? Très bien. Honorable, mais qu'est-ce qui se passe, honorable Mohindo? Non, vous savez... ce qui se passe ici était devait arriver parce que on ne peut pas, puisqu'on est majoritaire à l'Assemblée nationale, se permettre de faire tout ce qu'on veut. C'est quand même inacceptable. On est habitué à l'Assemblée nationale maintenant à violer et les règlements et la Constitution parce qu'on est majoritaire. Non, vous savez, nous avions déjà alerté par rapport à cette situation. Je prends simplement le cas de la motion de défiance que nous avons introduite. La Constitution oblige à ce que lorsqu'une motion est déposée, qu'elle soit débattue dans les 48 heures. Mais l'Assemblée nationale, au nom du fait qu'il y a beaucoup de députés majoritaires du FCC, ont carrément violé ces dispositions. Donc on a violé même la Constitution sans programmer une motion de défiance. On a même violé les règlements intérieurs, puisque simplement on est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est quand même inacceptable. La Constitution dit que non, on ne peut pas, lorsqu'il y a une décision de justice, nous ne pouvons pas nous y opposer. À l'époque du président Robin, il y avait des décisions qui étaient dites. On ne s'était pas opposé. Mais pourquoi on doit faire un bras de fer entre nous et la justice? Moi, je crois qu'il n'y avait pas péril à demeure. Alors, moi, je crois que ce qui arrive, c'est juste un symbole de l'arrogance. Tu vois, l'arrogance d'être majoritaire, l'arrogance d'être vrai, on se dit bon. Moi je acceptable. Quand on est minoritaire, quand on est majoritaire, on doit respecter la fonction. C'est que la justice, le Conseil d'État vient de démontrer, c'est qu'il y avait beaucoup de dérives dans l'application et dans le respect des règles à la fin de rejeter appel. N'est-ce pas? Au Conseil d'État, il y a eu un procès auquel l'Assemblée nationale a pris part. La décision est sortie. Mais que l'Assemblée nationale respecte cette décision, c'est une affaire entre nous, ça ne nous regarde pas. Nous subissons simplement les conséquences. Mettre au nom de la de faire n'importe quoi. Non. Ça, non, non, non. La patronne. Ça, c'est inacceptable. J'arrive. Je prends un peu. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, non, papa. Puis non, bon, ça, Nina. Bien, bon, ça, Nina.
Justice la maga et ça indépendant. On comprend la justice et ça la carte. Député, on va sortir. À ça la Nicolas, on y peut côté. Député, président, premier ministre, nous quittons ce tour à Azan Assemblée, à Azan Assemblée et Mibeko. Justice est indépendant. On salue Mbeba Kangiyo. On salue Mbeba Kangiyo. Ne faut pas que la justice est là pour le biso, la roue, la bakuluna, la non. Yo député, mais yo zakuluna. Yo zakuluna. Yo zakuluna. Yo zakuluna. Pourtant, moi, qui est pas dans la pote, yo, l'obakini, obando l'obelanga. Bien à vous soutenir Nani. Biso, toi, chef de l'État. Nani, nous sommes pas député à FCC. Nous sommes venus à Bango Matoi. Nous sommes venus à Kabila a zalagalisi sous président à Mboka Oyote. Boti kaba vision à Bino ya que nous sommes en Landa. Vision à autorité morale. Non. Faut à hiérarchie. Faut. Kabila a président du soutien. Donc comme une vision à président, pour Fati, article 151 et le mini. Bango Batangi. Et le mini. C'est-à-dire que vous contredit le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République a un amour à la communauté, autorité morale, a un amour à la communauté. Kabila, c'est un Kabila, c'est
le ciel s'est arrêté, le soleil s'est arrêté. Le soleil vient de s'arrêter. Le soleil vient de s'arrêter. Kabound a arrêté le soleil. Il faut que les gens sachent que non, Kabound a arrêté. Il avait dit que non, il va arrêter le soleil et aujourd'hui, il a arrêté. Hein? Donc, il ne faut pas blaguer aussi. Avec... Oui, mais bien sûr. Attention. Surtout, il ne faut pas blaguer avec, le petit-fils des Sphinx, Étienne Tshisekedi. Non, d'autres personnes pensaient que non, maître nageur, aujourd'hui maître nageur, il vient de se noyer, mais non. Maître nageur était dans l'eau là comme étant un sous-marin, mais sans masque respiratoire. Et aujourd'hui, maître nageur vient de sortir. Et tout le monde, il a fait arrêter le soleil pour faire voir aux gens que non, on ne peut pas badiner avec quand même la justice. Et surtout, détruire, donc la guerre va encore les droits fondamentaux de chacun, de toutes les personnalités ici. Non, on doit quand même respecter les gens. On doit quand même respecter surtout notre population. Nous avions dit que non, on doit respecter l'état des droits, mais ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale ici, non, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ainsi que non, maître. Et l'honorable les avait bien dit que non, il ne va rien faire, mais lui, il était parti en justice. Et aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail. Merci. Maître Dodine. Maître Dodine. Donc voilà, pas d'accès au palais du peuple. Non, 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 je suis en train de voir les images, les trois images. Kabound commence à maîtriser beaucoup la politique et les droits. C'est ainsi qu'il est entré déjà avec ses gens. Ils ont cru que c'était de la blague. Dès les premiers jours, j'ai allé. Attention avec ce que vous êtes en train de faire. Le personnel du service de l'Assemblée pour le faire mener par Dieu. Voilà.